Maurice Adi. Plus de voix. Maurice Adi. Maurice Adi. C'est pas à nous d'aller faire le ménage en Afrique. Nous, on y va quand y a quelqu'un qui va toucher au placard à uranium. On y va en courant en disant au mec, non, tu touches pas ça. Enfin, c'est tout. Et on va pas se raconter d'histoire. C'est ce que nous, Français, c'est ce qu'on attend de notre gouvernement, de toute façon, hein, dans la réalité. Hein. Flagornerie mise à part, et cette envie, effectivement, d'être gendarme de l'Afrique, d'être là de tous les conflits, c'est aussi pour essayer de donner l'impression qu'on a une puissance de feu qui est égale à celle de l'Amérique. Mais dans la réalité, bon, il faut aussi qu'on s'occupe du placard à uranium, et je sais pas quoi, l'ambiance, faut aussi qu'on donne l'impression qu'on est hyper fort. Hein. Bon, après, il va falloir qu'on le soit, il faut qu'on fasse un peu de muscu, quoi. Maurice, c'est la nuit. Maurice, c'est la nuit. Maurice. Tu as adoré entendre les aventures de Maurice à la Nouvelle-Orléans. Tu peux maintenant les lire grâce à la putain de BD. Tu y verras Maurice, et toi peut-être. Pour la tripoter, fonce vers la boutique Maurice Radio Libre. Maurice Radio. Si tu t'achètes ta BD, tu fais un geste pour ta radio préférée. Alors qu'est-ce que tu attends? La BD est déjà en vente dans différentes boutiques à Paris. Toutes les informations sont sur le site.